Bonjour à tous, bienvenue sur Buzz TV, j'espère que tout le monde va bien. Alors depuis quelques jours, la guerre a repris sur les réseaux sociaux entre les deux ex d'Anthony Martial, Samantha et Mélanie. Mélanie a pété un câble et a demandé à ce qu'elles s'affrontent sur Paris. Du coup, Mélanie a débarqué à Paris avec ses copines. Elles ont poursuivi Samantha sur l'autoroute. Comme vous le verrez dans la vidéo, Samantha a réussi à les semer. Finalement, elles se sont rencontrées en bas de chez elles, où une bagarre aurait éclaté. Les internautes choqués ont réagi sur Twitter. Je vous laisse lire quelques tweets. Voilà, c'est vrai que moi, je trouve que c'est un petit peu abusé pour des mamans et en plus influenceuses de se snapper en faisant des courses-poursuites pour se battre. J'espère vraiment pour elles qu'elles en resteront là et je vous laisse regarder la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, donc, résumé de l'histoire. Je lui dis de s'arrêter, elle dit qu'elle s'arrête. Je la rappelle, finalement, elle s'arrête pas. Elle dit qu'elle s'agace avec elle. Et pour terminer, là, elle essaie de nous semer. Parce qu'en fait, elle voulait me donner rendez-vous à Grigny pour me faire un guet-apens. Et voilà. Regardez comment elle est repartie. Regardez la bouffonne, comment elle est repartie. Regardez comment elle est repartie, cette bouffonne. Regardez. Regardez ce qu'elle fait sur le terrain. Allô ? Ouais. La sortie, elle est dans 2 km. Ouais, mais en fait, il y a pas de soucis. De toute manière, je descends toute seule. Tu descends toute seule. Non. Il n'y a pas de problème. Il y a du... T'as dit quoi? Ah d'accord, ok. Bah j'attends, dépose ta nièce et après y'a pas de problème. Y'a pas de soucis. Non, je la vois pas du tout parce que je vois rien d'ici. Je ne vois rien d'ici. Donc de toute manière, y'a pas de soucis, tu peux déposer ta nièce. Y'a pas de soucis. Ouais, ok. Ouais, tu peux sortir à la prochaine sortie, je suis juste derrière toi. Ah, elle est derrière moi, elle a dit. Ouais. Ah, bah, c'est ok. La MTR. Sortie 14. Voilà. Attends, elle est avec qui dans la voiture? Malherbe, sortie 14. Ok. Je regarde si elle est avec des gens. Attends, je veux bien regarder. Oui, allô? Ouais. Oui, dans une heure, je suis à Nemours. Ça sera bon? Bah, en fait, moi, là, je pars, c'est pas à Nemours, l'enterrement. Donc, on se rejoint dans le 9-1? Dans le 9-1, ouais, possible. Où ça? C'est très bien. Je trouve que c'est un terrain très très bien, moi. Où ça? Je t'appelle dès que je suis dans le 9-1. Non, mais c'est pas ça, c'est que juste que moi, je suis pas dans le 91, donc du coup, c'est juste pour savoir dans quelle zone, pour comme ça, je suis pas trop loin. Bah, je sais pas, dans le 9-1... Dans le 9-1, Grigny, tout ça, là. Comme ça, c'est au milieu de nous deux. Grigny, c'est pas du tout au milieu. Hein. T'es où, toi? Dans le 9-1? Moi, je suis juste collée avec Grigny. Oh, Grigny. Grigny, on peut se mettre nulle part. Il n'y a que des parkings. Là, je termine ici, c'est avec ma famille. Et moi, dès que je suis dans le 9 ans, je te dis où on se rejoint. Hier, c'est loin? T'inquiète, là. Hier, c'est loin? Ouais, c'est pas 9 ans de moi, ça. Ok. Moi, et Sainte-Geneviève? Sainte-Geneviève, des bois? Proche Grigny. Dès que je te dis. Ouais, mais Sainte-Geneviève, c'est plus près? De toi et de moi. De toi et de moi. Sainte-Geneviève, c'est sûr et certain que c'est plus près. Dès que je suis sur la route, moi, je t'appelle, c'est bon? Ok, ben moi, je m'approche, je vais m'avancer devant Sainte-Geneviève. Vas-y. Ouais. Vas-y. À ouais. Regardez les grosses batteringues. Elles sont à 4. Elles sont à 4 cagoules et tout. J'ai envie de faire demi-tour sur l'autoroute pour vous montrer. Derrière moi, jusqu'à l'enterrement, elles m'ont suivi. Elle a ramené ses dernières costauds. Ouais, il faut que je monte cette batteringue. Attendez. Attendez. Ah là, elle est là. Attends. Même s'il faut que je m'arrête et que je me tue, mais je vais bien vous montrer cette grosse baltringue. Je vais bien vous montrer cette grosse baltringue. Regardez. Elle veut pas venir, hein. Elles sont à 4 cagoulées. Mais c'est... Elle a cru. Je vais... Attends. Regarde, tu vas voir. Je vais tellement... Mais c'est grave. Attendez, il faut que je vous montre. Regardez. Avec ces 4 bandits...
Ça, c'est un truc de traite, ça. Ça, c'est un truc de traite. On va se la donner toutes les deux. Mais vous voyez les trucs de traite comme ça? Comment elles font pitié, regardez. Regardez. Mais ouais. Ah là là, c'était sûr, toute seule, elle pouvait. Hop. Regardez, je suis avec ma petite nièce. On sort de l'enterrement. C'est très, très grave. J'ai tellement envie de piler. Même on se tue. On se tue, mais. C'est très grave. C'est très grave. J'ai tellement envie de vous montrer. Regardez bien, je vais. Regardez bien ce que je vais leur faire. C'est grave quand même les traîtres comme ça. Des grosses traîtres. Et la troisième voiture, elles étaient trois voitures, madame, autour de moi. Oui, madame. Écoutez-moi. Oui. Et la troisième voiture, c'est très grave. Toutes les meufs. Non, je... c'est très grave. Il y a les voitures qui sont pas arrêtées, mais elle, elle est partie avec une voiture. Il y a une seule voiture arrêtée, sauf qu'il y a les plaques, il y a les caméras, il y a tout. Il y a tout. On va attendre tendrement. Oh, regardez, je suis en botte. Je sors de l'enterrement. Ses copines, elles sont fait arrêter et elle, elle a fui. Oh, regardez. Regardez, regardez les grosses batteries. Elles sont à 4. Regarde, filme là. Ferme la porte, ferme la porte. Ferme la porte, ferme la porte, ferme la porte, ferme la porte. Ferme la porte, ferme la porte. Oh, grosse pute. C'est une blague. Wesh, c'est mon tas, wesh. T'inquiète, Kani, t'inquiète, voilà, t'inquiète. Oh, ne stresse pas, envoyez ses copines. C'est une baisée l'autre. Mais wesh, ne stresse pas, regarde, elle aussi a filmé. Pourquoi elle est pas sortie? Filme, je filme, regardez. Prends la plaque. Pourquoi c'est pas elle qui sort? Pourquoi c'est pas elle? Je filme. Regarde. Wesh. Regarde, vas-y. C'est une malade, elle l'a fini ma mère. Moi, bizarrement, c'est moi, je me suis fait arrêter par la police, celle qui a porté main courante. Elle a tout fait, elle a tout prévu. Main courante, elle est partie, police, tout, tout, tout. Trois voitures, neuf meufs, mais c'est moi qui est tapant. C'est moi qui est tapant, Grigny, nanana. Elle voulait aller à hier. J'ai dit, moi, mon secteur, c'est plus Grigny, tout ça, vers là-bas, Évry, Grigny, tout ça. Pourquoi tu vas aller à hier? Qui connaît hier? Personne connaît hier. Qu'est-ce qu'on va faire? Je suis avec, il n'y avait pas de guet-apens. Il y a ma nièce. Il y a ma nièce Cani, il y avait on sortait de l'enterrement, mon petit frère, c'est tout. Il y avait pas de guet-apens, il y a aucun truc. Je suis en botte, regardez, je suis en botte. J'étais au cimetière, il y a rien du tout.